L'actu des marchés visiblement en quête d'une nouvelle dynamique depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avec notamment une bourse de Paris qui enchaîne les séances sans éclat, un calme qui traduit le manque peut-être de catalyseurs actuellement, malgré une série d'indicateurs. On l'a vu. Bonsoir Eric Lewin à Paris. Oui, bonsoir. Écoutez, en fait, le marché a besoin de consolider parce qu'on est quand même en forte hausse sur toutes les places européennes depuis le début de l'année. On doit gagner 11%, que ce soit à Francfort ou encore à Paris. L'Espagne fait encore mieux avec 15%. On a besoin de consolider parce que le marché parisien commence à être cher avec un PER, un ratio court-bénéfice de 17. Et on a besoin de consolider parce qu'aux États-Unis, il y a quand même certaines inquiétudes avec Trump qui a l'air englué dans cette affaire du FBI. Alors, bien sûr, on ne parle pas encore d'impeachment aux États-Unis, mais il pourrait quand même y avoir un scandale aux États-Unis autour de Trump qui l'empêcherait de mettre en place sa politique économique. Vous savez que c'est une politique américaine très ambitieuse, grande réforme fiscale, politique d'investissement de 1 000 milliards. Bref, pour l'instant, c'est au point mort et ça inquiète un petit peu les investisseurs qui, en fait, avaient acheté l'élection de Trump en prédisant que l'économie américaine irait mieux avec une forte croissance. On en est loin pour l'instant et c'est pour ça qu'on a sans doute besoin de consolider. Ouais, et puis on évolue dans une fourchette plutôt réduite. Sur le marché, Eric, des changes, on a remarqué que l'euro est à son plus haut face au dollar depuis 6 mois. C'est une tendance solide qui se dessine d'après vous ? Bien écoutez, d'abord ce qu'il faut voir, c'est vrai qu'on est autour de 1,11 au plus haut depuis 6 mois. Il y a deux éléments qui se conjuguent. Il y a bien sûr les déboires de Trump aux États-Unis qui font qu'il y a pas mal d'investisseurs étrangers, notamment des Asiatiques qui vont plutôt sur l'euro en vendant du dollar. Et puis du côté de la zone euro, ça va de mieux en mieux. Vous parliez de l'excédent commercial, c'est vrai qu'il a été au-dessus de 30 milliards en mars. On a aussi une croissance forte et puis on a aussi une confiance des investisseurs dans la zone euro qui est à son plus haut niveau depuis 6 ans. Tout cela fait que finalement les investisseurs ont envie d'acheter de l'euro. Alors, en fait, la grande problématique, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une vitesse d'accélération pour l'euro, c'est-à-dire que est-ce qu'on va aller très vite sur des niveaux de 1,15, 1,16, qui pourraient être dommageables pour les bourses. Maintenant, si on monte tranquillement sans à-coups, il peut y avoir un effet 1 $ sur les investisseurs. En tout cas, c'est quand même pas mal pour les touristes français qui vont en Israël, puisque la parité, excusez-moi pour une fois de parler d'Israël, mais la parité 1 euro valait 3,85 shekels il y a encore quelques semaines, et là, on est plutôt sur un niveau de 4. Donc s'il y a des personnes que cela réjouit, cette force de l'euro, c'est surtout les touristes israéliens qui vont pouvoir venir en Israël et faire des emplettes un petit peu moins chères. Voilà, message reçu. Merci beaucoup Eric Lewin pour ces précisions. Le zoom de la semaine tout de suite.